des spirites. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Alors c'est ça le pilier des spirites? Oui, c'est ça. Je m'attendais à autre chose. L'énergie magique de chaque nouveau-né est extraite et canalisée dans cette spirit. On peut dire en quelque sorte que ce pilier est une masse cristallisée de toute cette énergie. Maintenant, je vais récupérer mon énergie magique qui était enfermée ici. Je veux que vous fassiez en sorte qu'aucun monstre ne s'approche de moi. Pas de problème, petit. Mais tu es vraiment sûr de toi? Tu oses me poser la question? C'est... Voilà. C'est mon grand moment, alors laissez-moi, d'accord? Ils arrivent. L'énergie magique attire les monstres. Oh, mais ils font mal. J'aurais peut-être faire un petit cyclone. Encore des monstres. À mon avis, il y aura plein de monstres. Ça va être long. Encore des monstres. Non. Il faudrait que je soigne avant qu'il ne meure. Et il n'était pas assez vrai. Bon. C'est trop tard maintenant. できる。よし。やるぞ。はっ。
よし。当然のこと。Plein de loot. Et il a été res. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les monstres se font quand même ultra mignons. C'était les derniers. Je la sens. Elle revient. Mon énergie magique revient. Ça va aller maintenant. Retournez au village. Je vous rejoindrai plus tard. Tu vas t'en sortir tout seul. Ça va aller maintenant. Merci à vous tous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Retournez au village. D'accord. Sois prudent, petit. Allez, Yessa, on y va. C'est bizarre qu'ils nous envoient comme ça. Rentrer. Ah, il est là, Ido. Ah, vous êtes de retour. Quel soulagement de vous voir tous en vie. Ne vous en faites pas pour nous. Qu'en est-il de vous et des villageois? Nous avons évacué tous les villageois. Où est-il? Il est au pilier de Spirit. Il récupère son énergie magique. Je vois. Il a donc pris sa décision. Vous êtes tous de retour. Et je t'ai dit de rester allongé. Je vais mieux. Moi aussi je veux aider. Attention. Qu'est-ce que... Mais il y en a combien comme ça? Oh, ils se sont fait one shot. Je croyais que j'ai un peu exagéré. Tu vas bien? Et un boss très chelou. Pourquoi c'est une machine? Ça a pas l'air d'un monstre. Ido, va te cacher. Je veux que vous voyez les résultats des choix que j'ai fait. Si je comprends bien, tu gères la magie alors. Tu peux aller faire une sieste si tu veux, l'ancien. Hors de question que tu participes. Toujours aussi tête à claque. Ne te dévise pas à venir dans mes pattes. Ouais, pareil pour toi. Qui l'a rejoint votre équipe? Alors, on va retirer. Il n'y a plus de combo du coup. Je suis obligé d'avoir... Ouais, c'est pas... Kin. Il est temps de leur montrer mon véritable pouvoir. Je vois ce que ça voulait juste dire que c'était Kin qui parlait. Oh, il fait mal. Yes.
contre, il n'y a pas beaucoup de PV. Voilà, paralysie. C'est parfait. J'ai même pas eu le temps de voir le bonus. Il a pris cher. Si je mets... Ah ouais, c'est ça. Ah mais il s'acharne dessus. Je vais à peine de le raise. Voilà, maintenant je peux le raise. Et salut, elle. Comment ça? Momentum Master. Ça bien. Ah, j'espère que ça fait pas mal ça. Ça a l'air d'aller. C'est plus le même qu'avant. Ah. On va le paralyser. D'ailleurs, je suppose que pour le jeu que je suis en train de faire, t'as pas vu les premières parties. Je peux faire un petit résumé vite fait. Il y a plus de PM. Ça va faire mal. Ouais, ça fera juste un petit résumé si tu veux.
Je compte pas faire le résumé en façon anime avec un épisode complet. Au bout de 13 épisodes. Et j'ai oublié de faire le memento. Prends une potion. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de sauvegarder aussi. Ça promet. Ouais, ça promet. Non, c'est bon. C'était tout juste. On a réussi. Merde, c'est vrai, j'avais dit que je lisais. On a réussi. Et ça, j'ai quelque chose à te demander. J'ai un mauvais pressentiment, je vais pas juste lui dire non. Apparemment, tu sais ce que je vais dire. Je vais aller droit au but alors. Je vais vous accompagner. Je veux aller jusqu'au bout du voyage de Setsuna. Et je veux vivre ma vie comme je l'entends. Je vous en prie, prenez soin de qui. Tu pars. Ok, ils vont dire tu pars tous les trois. C'est pas comme si j'allais vous oublier. Je reviendrai bientôt. Et je vous rapporterai des souvenirs. Il faut faire les voix aussi. Mais j'ai du mal avec les voix aiguës. J'ai tout fait attendre. Je t'ai fait attendre pendant tout ce temps parce que je n'arrivais pas à me décider. Je suis désolé, Thor, mon frère. Ah, c'est Thor, lui. Jean Brica, c'est une voix de fille, du coup. Comment je vais gérer ça? Thor, ton frère, celui qui a quitté le village et n'est jamais revenu. Il n'est plus en vie. Je le sais. Thor, tu as pensé à moi lors de tes derniers instants, n'est-ce pas? Tu voulais que je le sache. C'est vrai que ce serait mieux si je faisais les voix, mais... Tu voulais me prévenir de ta mort. Alors, ton énergie magique, ton esprit, sont revenus sous cette forme. J'ai toujours su que c'était toi, dès la première fois que je t'ai eu. Désolé de t'avoir fait attendre, Thor. J'ai enfin pris ma décision. On peut enfin se dire au revoir. J'utiliserai mon énergie magique pour te dire adieu. Tu m'entends, mon frère? Écoute. J'ai retrouvé mon vrai moi. Je vais vivre ma vie pleinement. Ne m'oublie pas. Tu vas venir maintenant. Et bien sûr, quelle question stupide. Là aussi, c'est pareil, c'est une fille. Et. comment faire? Je suis content que tu sois de côté. Faut que je m'entraîne hors sim, sinon ça. Ça va être ridicule. Si on traverse la montagne en dessous, on devra arriver pas loin des terres éloignées. Très bien. Allons-y. Du coup, pour le petit résumé,
On commence l'aventure avec le perso ici, que j'ai appelé Iessa. On va dire c'est le héros de l'aventure, à qui on lui confie la tâche de tuer Setsuna. On sait pas pourquoi. On dit juste ah bah tu sais cette fille, Setsuna. Lui étant un mercenaire, il accepte. Sauf que bah, il le fait pas vu qu'il est toujours là. C'est un peu logique. Setsuna qui était accompagnée de Brilika, qui l'a protégée. Et donc Setsuna a pour mission entre guillemets d'aller se sacrifier pour que les monstres arrêtent d'attaquer les gens ou quelque chose comme ça. Puis il y a Samu. Samu, il faisait partie de la garde de l'ancien, enfin du précédent sacrifice. Sauf qu'ils ont échoué. Du coup, c'est le bordel, il y a plein de monstres partout. Et puis on a Kill, qui vient de ce village ici. C'est un espèce de semi-démon un peu chelou. Non, ah, j'arrête pas d'appuyer sur Escape. Ça va juste faire Alt F4. Et donc là, il a récupéré sa magie qui lui raccourcit sa durée de vie. Et il veut venir nous aider. Équipe. Il va falloir que je sauvegarde aussi. Et que je me soigne. Non, je peux dormir quelque part. Je peux squatter. Je peux pas squatter chez toi. Ah mais il y a des marchands ici. Les musiques sont très bien. Il n'y a pas de souci pour le résumé. C'est vraiment quand je dis résumé, très très résumé. Radiance, est-ce que c'est bien? Et donc ça, les spirits, c'est les sorts que tu peux donner à tes persos. C'est un peu comme dans FF7 avec les espèces de boules, je sais pas comment ça s'appelait. Restaurer les PM. Ah ça peut être cool. Sens de la vie. Ah, je peux en récupérer du coup.
Artisanat. Active l'artisanat pendant le combat. Spécial. Voilà, alors les spirits. Tac. Je peux avoir ça. Je peux avoir. Booste la défense. Non, booste le top. Hop, voilà. J'en ai pas d'autres là. Mais il y a toujours pas d'auberge. Ça va être galère s'il n'y a pas d'auberge. Je peux toujours balancer des potions de soin. Et maintenant on prend le chemin de la montagne ici. Et les monstres ils sont tout mignons. Regarde comme ils sont mignons les petits monstres. Oh ils sont quand même méchants. Mais... Ah, elle va prendre super cher cette scène. Il n'y a plus le vol. Il y a aussi la possibilité de faire des combos dans les combats. Bon là j'ai pas de combo avec ces personnes. On part où maintenant? Ah si, il y a des combats guérison. Le combo guérison. Mais ils sont full life. Ah
Bah ils ont fait très mal. Évidemment. Et j'ai pas sauvegardé en plus. J'ai pas sauvegardé de toute la soirée. Ça va être dur. Parce qu'ils vont me défoncer. C'est game over. Non. J'ai pas sauvegardé. J'ai complètement oublié. Du coup, on doit tout se retaper. Ça, c'est la chose que je jouais le plus dans les... dans les RPG old school. La sauvegarde. J'oublie à chaque fois. Je dois tout refaire. Au pire, il reste juste 20 minutes. Je peux dire, je coupe là. Et je ferai ça off stream jusqu'à ce que on rejoigne le l'instant où j'ai. Rip. Et ressort. Du coup, ça, je viens de faire un game over et je vais absolument pas sauvegarder. Tout est à recommencer. C'est pas... Heureusement que ça ne faisait que 2 heures. Alors... récupère des PM. Tu veux la voix aiguë? Je sais pas si j'y arriverai. C'est ça le truc, je sais pas si j'y arriverai. Ça elle fera très bizarre. Hein. C'est la voix très très aiguë, très. Enfin très aiguë. La voix aiguë. Ce sera très bizarre. Oh un petit. Ah bah il se barre. Je pense que j'essaierai de la faire au stream. Pour voir si ça ressemble à quelque chose. Et je mettrai du temps sûrement pour l'obtenir. On y arrive. C'est là le chemin. C'est le chemin. Un chemin. Je vois pas de chemin. Je pourrais essayer de faire les voix spécifiques, mais... j'ai tellement pas l'habitude de faire ça. Si, c'est un chemin secret.
Vous voyez? Et du coup, maintenant, on sait que ça, c'est le frère de Kiel. Ignorons-le. Tout à fait. Je suis d'accord avec Yassa. Cela dit, tu ne trouves pas ça un peu flippant qu'ils me suivent comme ça? Je n'effronte. Eddie Scrow, merci pour le follow et bienvenue à toi. On a déjà vu tout ça au début du stream. Je vais sortir, sauvegarder pour la semaine prochaine. Je me mettrai à jour. Je jouerai vite fait, j'essaierai de faire les voix spécifiques pour chaque personnage. Du moins essayer. Voilà, on est sorti. Sauvegarder. Il faudra vraiment que je apprenne à sauvegarder pour éviter de refaire ça aussi.